Donc là, comme me le disait Michel, il y a deux chargeurs. Alors, je viens de comparer, effectivement, chargeur classique avec lequel je viens de tirer, en chargeur de casse-cou avec talon plat, voilà. Quoi. Mon petit auriculaire, l'auriculaire de ma main qui vient aider la main qui porte, aurait tendance à passer en dessous. Avec le chargeur, donc tu me dis plus 2 là. Plus 2. Plus 2. Donc 17 coups. Ça y est, ça passe. Mon petit doigt de la main qui vient renforcer ma main qui porte ne peut plus passer en dessous. Il est vraiment bloqué. Donc c'est un avantage important par rapport justement à ce que je disais tout à l'heure au déchaussé de l'arme. C'est intéressant pour le tir à deux mains, effectivement. Voilà, je vais l'utiliser dans le tir sur les épaules, la 5-5. Voilà. D'accord. Je vais donc tirer des cartouches Gold Dot. Alors là, tu as pris des Gold Dot, ok. Voilà. Mais non, les GECO sont bonnes. Hein. C'est vraiment un bon produit, GECO. Chargeur en tôle. Alors, il y a une chargette, hein, bien sûr, qui accompagne les chargeurs pour venir faciliter l'approvisionnement des chargeurs. Donc là, on va se mettre pareil. Je vais avancer un petit peu. Je vais mettre à 15 mètres. Hein, 15 mètres, on va dire que c'est une 15 mètres, c'est une grande distance de combat. Ok, provisionné. Ok, armé, c'est bon. Et là, pareil, je vais prendre les épaules. 5 et 5. Donc, comme vous remarquez, le tir a été plus rapide, mais par contre, j'ai eu aucun problème. Je pense que le talon y est pour beaucoup. Hein. Mmh. Parce que tout à l'heure, dans le tir que je faisais, la précision à 18 mètres, ça déchaussait, je sentais parce que j'étais obligé de rechausser mon arme. Là, aucun moment, et j'ai pris, je suis pas redescendu, j'ai repris ma visée, boum, je suis revenu, et mes mains n'ont absolument pas changé de position. Ça, c'est quand même un avantage important. Comme quoi, vous voyez, des fois, des petits détails font en sorte que on améliore le tir. Le tir, c'est quoi? C'est de la précision et de la vitesse. Donc, on va améliorer une des deux, ou la vitesse ou la précision. Donc, c'est quand même intéressant, puisqu'on s'aperçoit que le tir, c'est la mise en place de petits détails qui font que ça fonctionne mieux, quoi. Et tu vois, on ne pense pas toujours à tout, parce que moi, dans un premier temps, j'ai regardé ces deux talons, et je me suis dit, le talon proéminent, il ne sert strictement à rien, puisque ma main, elle n'arrive pas à ce niveau-là. Ah ouais. Et je n'ai pas pensé qu'effectivement, après, si on va faire du tir à deux mains, on va s'apercevoir que le talon proéminent peut être intéressant pour la deuxième main, pour la main faible. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça m'a permis... Alors après, bon, il faut comprendre que on va travailler avec cette arme, on va travailler en se déplaçant, etc., en courant, avec les mains mouillées, avec la terre, etc. Donc, ce qui est important, c'est toujours de garder ce chaussé d'armes. Le chaussé, il est tellement important, vous savez très bien qu'à chaque fois, je vous parle de la chaussette, parce que c'est la seule chose qu'on peut vraiment améliorer à faible coût sur une arme pour pouvoir mieux la chausser. Mmh. Ok. Donc, c'est cette chaussette. Mais là, c'est vrai que là, je suis pris. On avait testé une fois aussi un PA, comme ça, je ne me souviens plus, un 45, et qui permettait justement avec talon proéminent, ce fond de chargeur, qui nous permettait de placer justement ce petit doigt là, ici, vraiment qui va venir ici en butée là. Ouais, ça, c'est bien. Hein. On va aller voir les résultats. Oh, t'en as une qui est au bord, là. Ouais, c'est celle-ci, ouais. Mais t'étais obligé de prendre un peu une contre-visée, donc alors, c'est pas ça, tellement c'est étonnant. Que comme je prenais ici, voilà, je prenais ici, à un moment donné, j'ai dû trop prendre. C'est une erreur, hein, comme quoi, vous voyez, un tireur aussi commet des erreurs. Et là, je suis passé, bon, j'ai ouvert un peu le triceps. Ouais. Mais bon, 4 là, et là on voit les 5 qui s'étalent, et là c'est pareil, je prenais à ce niveau ici, quoi, en gros, là, pour pouvoir, et je me suis étalé. C'est ça le principe. Alors, ce qui est intéressant, ça c'est une petite erreur
de moi dans ma visée, il y a eu peut-être une précipitation. Elle est là, elle est juste ici, là. Elle a mangé la moitié de la cible en voilà, fait. Ouais. Elle est là. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le rez-de-chaussée, comme ça, quand on prend bam bam, c'est de se trouver dans un couloir. C'est quoi en réalité le couloir? Comme on vous l'explique toujours, c'est cette bouteille. Donc le bouteille bam bam, c'est de remiser à chaque fois dans la bouteille pour un policier, un gendarme, un militaire, donc un homme armé sur le terrain de par sa fonction. Ce qui va l'intéresser dans le tir, c'est d'aller vite et d'être précis par rapport à cette bouteille, quoi. Donc je vais faire un tir de 10 coups, bam, 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 vraiment les uns derrière les autres, en prenant, on va prendre sa main là, quoi, en gros, la zone de cette main là. Voilà. D'accord. Et puis bon, après, on pourrait aller beaucoup plus loin toujours dans un test d'armes, mais ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de cartouches. Et après, c'est en fonction aussi de l'entraînement que chacun aura dans son unité, quoi. Voilà. Mais déjà, d'ores et déjà, on peut dire que bon, dynamiquement, elle se comporte très bien. On a une bonne remise en batterie. Et puis que derrière, vous voyez, il y a aussi des fois des petits écarts qui sont dus, c'est pas du tout à l'arme, c'est dû au tireur. Parce que j'ai trop précipité les choses. Attention, précision, vitesse. C'est pas précision, précipitation. On est toujours précision, vitesse. Okay, il faut vraiment adopter. C'est un cocktail. Si ça se met à merder d'un côté ou de l'autre, c'est foutu, quoi. Voilà. Donc pour finaliser de ces trois tirs, comme d'hab, je vais refaire 10 cartouches, mais à un endroit, sans poser pour bam, on me remisait bam, on me remisait bam, on me shootait à chaque fois. C'est simplement un tir qui va nous permettre de voir que la visée est aisée, que la remise en batterie ne nécessite pas non plus un gros paquet de secondes, et qu'on fixe facilement cette arme justement dans ces deux facteurs qui sont précision et vitesse. On sait qu'elle est précise déjà. Après, la vitesse, c'est le tireur qui va l'adapter en fonction de ce qu'il veut faire comme tir, quoi. Donc on va reprendre la même distance. On va reprendre 15 mètres comme d'hab, là, 15 mètres, ma distance au combat. Donc je vais prendre sous sa main, pas celle qui tient l'arme, mais l'autre, hein, voilà, tout simplement. Chambré. Alors, ce but, dans ce tir-là, il a pour but, comme on dit, de fixer un ennemi afin qu'un camarade puisse se déplacer et se mettre à couvert. Ça peut être considéré comme un tir aussi de destruction, un tir de fixation. Et c'est quand même intéressant. Pourquoi ? Parce que on a bien souvent nécessité à employer ce type de tir pour pouvoir dégager quelqu'un qui se retrouverait sous le feu d'un adversaire armé, alors que nous-mêmes, on est à l'abri, on n'est pas dans cet angle de tir, et c'est beaucoup plus facile, quoi. Donc c'est un tir qui va se faire sans, on va dire, sans précipitation, puisque je suis à l'abri, je suis peu sous le stress de me faire, comme on dit, allumer, quoi. Donc, on verra après sur le chrono, mais on a quasiment une seconde. On pourrait prendre plus dans la mesure où, effectivement, comme je le disais précédemment, on n'est pas sous le feu, quoi. Mais c'est simplement, plus je vais essayer d'aller vite, plus j'ai la preuve que cette arme a une remise en batterie quand même beaucoup plus aisée. Il n'est pas nécessaire de prendre 3 secondes entre chaque tir. Je pense qu'entre chaque tir, il y avait à peu près une seconde, là, en gros. Donc, ça me permet déjà, vous voyez, de couvrir quelqu'un pendant peut-être, si j'ai un chargeur de 15 coups pendant 15 secondes. Et si je vous demande à vous de courir pendant 15 secondes, vous allez quand même faire déjà une sacrée distance, quoi. Voilà. Donc, résultat, on va aller voir ce que ça donne. Ok. Oh bah, je pars avec l'arme. Ouais, pas de doute, t'es voilà. Bien au centre de la bouteille, là. Toujours. Alors, vous voyez, toujours, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est cette remise en batterie comme ça. Ça veut dire que l'arme, comme elle est correctement chaussée, je viens y coller mes deux mains et donc mes 9 doigts, puisque celui-ci va être sur la queue de détente pour pouvoir faire partir le coup. J'ai vraiment cette sensation de couloir. Vous voyez le couloir dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça le tir de combat. Le combat, c'est de tenir un couloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est de tenir un combat. Et c'est de tenir ça avec une arme qu'on sort de la boîte pendant
en laissant une seconde quoi, entre chaque tir. Bam, bam, bam. C'est vraiment dans l'esprit, je pointe the shoot, the shoot. Je pointe the shoot, the shoot. Je pointe... Voilà, et c'est... Après, ce sont des éducatifs à faire au tir. Après, ce sont vos instructeurs dans vos différents corps de métier qui vous expliqueront tout ça. Pour quand vous arrivez dans un service de police ou gendarmerie ou militaire, les gens vous expliqueront comment faire ça. Ouais, il n'y a aucun problème. Donc, vraiment intéressant. On est sur une arme de combat qui associe deux choses. La précision et la possibilité d'être rapide. Pourquoi ? Parce que ça a des choses propres, c'est carré. Il y a des éléments de visée qui vont nous permettre d'avoir une visée, comme je vous l'expliquais précédemment, assez rapide. L'acquisition, c'est quand même important. L'acquisition, c'est le départ de coups. Si je n'arrive pas à acquérir correctement ma cible, je ne pourrais pas faire partir des coups. Ou alors, au risque de les faire partir, mais n'importe où, c'est quand même dangereux. Là, j'ai bonne acquisition, je shoot, bam, je shoot derrière. Bam, je shoot. C'est pris en compte, c'est analysé, c'est fixé. Et après, ça part. Quoi. Donc, vous voyez, on reste vraiment dans ce système de bouteille. Hein. On met une bouteille, c'est un couloir. Et on n'en sort pas. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'un individu, ça fait une certaine hauteur. Hein, alors qu'en largeur, on est quand même beaucoup plus réduit. Quoi. On a 40 par rapport à quasiment 120. Quoi, vous voyez. Donc, on a trois fois plus d'espace pour travailler ici que là. Et en latéraux, en plus... sur le côté, ça va loin, quoi. Voilà. Donc, eh bien, chers camarades tireurs des forces de l'ordre, bon tir à vous et surtout, soyez prudents. Oh. Merci. Donc, pour pouvoir tester le modérateur de son, le BT, le Brugger Etomètre, sur le PPQ, je vais tirer 10 cartouches de marque GECO SX. C'est celle que j'ai tirée dans le premier tir que j'ai fait sur la C50. D'accord. Donc, ça, c'est des cartouches normales, c'est pas voilà, vraiment c'est... des subsoniques, elles sont un peu limites peut-être, vitesse du son. Voilà. Mais on va voir si ça... Je pars du principe que le canon est quand même assez court, donc canon court, vitesse réduite, on va dire. On doit peut-être être en dessous des 340 mètres secondes, mais ça, tu verras, Michel, quand tu vas essayer toi, tout à l'heure le SX en précision 25 mètres. Donc on aura déjà des éléments de vitesse. D'accord. Donc, pareil, donc là, hein, tu te mets à 15 mètres. Voilà, 15 mètres, visée, comme je vous le disais, virtuelle, hein, par rapport aux instruments. Et moi, j'ai pas mis mon casque anti-bruit, donc je te dirai ce que ça donne. Quoi. Tu me dis à la première, on arrête l'équipe si ça va pas. Bah écoute, ça fait du bruit quand même. Hein. Ça cogne, hein, non ? Ouais, ouais. Moi, je vais fermer mon casque, là. Tu veux mettre un casque ? Je vais pas le mettre tout de suite, je vais encore... Vas-y, tire-en encore une. Bon, ça va, je peux rester sans casque. Non, c'est bon ? Ouais, ouais. Ok. On a une éjection fulgurante, hein, par contre, elle part très très loin. Hein. C'est vraiment, c'est pas facile cette visée que j'imagine quoi, dans la cible. Ça crache. J'ai beaucoup de grains de poudre qui me frappent au visage. Lunettes totalement indispensables dans l'utilisation du modérateur de son. Sinon, vous allez prendre plein de grains de poudre dans les yeux. Ouais, c'est pas du 22 long rifle, hein, on l'entend quand même. On peut pas dire que ça soit hyper silencieux, ça atténue quoi, c'est tout ce que... Le modérateur de son est le bienvenu, il est bien chaud, donc comme il fait froid là, c'est bien.
on a, avec le modérateur de son, on est un déchaussé, mais totalement rectiligne. On n'a aucun sur le côté. Bon, par contre, on a une visée qui reste, comme je le dis, très honnêtement, c'est aléatoire, quoi. Mmh. Je pense être ici, mais j'y suis sûrement pas. On va voir ce que ça donnait. Oh, bah, t'es dedans quand même. Oui, mais bon. Oui, oh, c'est à peu près pareil, hein. T'as un petit peu élargi, un petit peu ouvert, voilà. Quoi, mais bon, c'est pas... Donc, je prenais ma visée, comme tout à l'heure, ici, en gros, et on va prendre les points. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, voilà. D'accord, mais bon, c'est pas une prise de visée, c'est une prise de visée un petit peu subjective, hein. C'est pas évident. Oui, complètement. Non, non, mais je l'imagine complètement, on a pris la visée. Mais là, bon, t'es dedans quand même, on est à 15 mètres, c'est une 4, bonne 5, distance. 6, 7. Voilà, donc, pour un tir de combat, 15 mètres, c'est quand même... Oui, c'est une grande distance. Bon, le modérateur de son, cela dit, bon, ça reste un accessoire très spécifique, hein. Tireur sportif, il faudrait qu'il fasse vraiment un investissement quand même. C'est un investissement, et puis bon, moi je suis pas très convaincu parce que ça fonctionne pas avec tout. Ouais. C'est pas. Ça fait quand même du bruit, hein, ça, ouais. Ça atténue seulement. Ouais. Bon, c'est plus intéressant peut-être sur le plan militaire et encore. Sûrement, oui, si. C'est quand même vraiment plus intéressant sur le plan, on va dire, opérationnel pour un militaire. Le fait de limiter sa signature sonore par rapport à l'adversaire, c'est extrêmement important. Hein. Donc, et c'est toujours par rapport aux missions qui vont lui être confiées. Mais non, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc, quand on ne peut pas localiser le départ d'un coup, c'est très perturbant pour cet adversaire. C'est... Mais bon, c'est fait pour un travail, vraiment, dans une maison, c'est du corps à corps, quoi. Vraiment, c'est pas fait pour être employé. Vous voyez, j'ai une distance de 15 mètres. On a rarement des couloirs qui font 15 mètres dans les habitations aujourd'hui, quoi. Parce que là, il sort d'une pièce et boum, en gros, voilà. Je vous l'ai dit, après, en fonction de la mission, en fonction des distances qui vont nous être données sur le terrain, on emploiera un matériel adapté. C'est évident qu'on ne va pas prendre un PA pour faire des tirs à longue distance. Il y a tout ce matériel intermédiaire qui fait que, justement, ça justifie l'achat et l'emploi de certains types d'armes. Sinon, on aurait une arme pour faire tout, c'est impossible. Et on ferait, alors là, ce jour-là, on ferait vraiment tout et n'importe quoi. Non. Chaque distance, chaque mission a un type d'arme. Et en plus, n'oublions pas, un type de munition aussi. C'est ça qui est important. Voilà. Bonne continuation à tous. Et attention à votre cœur, hein.